Bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RTC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, on va commencer cette émission Bandeko. Tokende directement na Oyezo Leka na Nord Kivu. Bandeko toko banda sur RDF M23 se livre déjà l'exploitation illicite des minéraux à Rubaya et puis boyoka Oyezo Salama na kati ya Rubaya. Makambo za minene Bandeko na ngai oyo balobaka somo do coltan. Et comme il n'y a pas de Rwanda, n'enge balingi. Alors, tous à la connecter, peut-être que développons une émission sur le bakitina ba prix. Bakitina ba prix et pas ba. Oyo ba jeune, ba zo sala boulonango. Tous à la connecter. Deuxième point, chers des téléspectateurs. Donc, awa pena, bandeko, na deuxième point, oyo kaka des combats violents entre les rebelles RDF M23, et le FARDC avec Wassalindo. Donc, Bandeko Yako Sakanati. Alors, les combats ont repris. Alors, Masisi a fait. Alors, Oyoka ke yindi, FARDC penza, Masolo Kitoko. Tous à la connecter, peut-être qu'on développe une émission. Chers téléspectateurs, émission à M. Bandi, et comme tant au sol ensemble, Masolo Yamboka. Bandeko Toko Kene directement à Rubaya. Et pas y wapi armée rwandaise, ba komi, oyo kaka feti na feti kaka, ba minere ndenge ba lingi. Alors, boko yo kane ba ketina ba pri, na, ba mbongo ba futa kabatu, ya, oyo kaka, ya le kilo ko pesa kongole boye, o kombi ba o futo bie boye, o 10,000 francs, komi nango 30,000 francs, do ba zo multiplie ba ba mbongo oyo ba zo futa, population. Et pas ba jeune wana ba artisanal, donc ba mati bango ba la, ba zo pesa, donc ba ya nango kaka en quantité, ba mba profite mikolo. Bande koko sakanati. Donc ba za kotoka ba minere ndenge balingi, bo yo ka ba détail na émission oyo. Alors, tolobay bien que guerre oyo ezan o guerre ba minere, mena motema na ba mpende kiti. Ba kompena ne singo, parce ba du centre ya ba mineri. E pa wapi, oye bima kapene ya mingi, e bima kana Rubaya. Alors, maintenant, ba zo transportant ou librement, e zo ken na banzela ou ka ba tinel ba leka, parce que banzela moussouma ba leke ate, e asfar de sa zo kontrole. E mena, ba zo leka nan gona nzela ba oumou ba yebi, e sa chimene ou, au Rwanda. Le président rwandais, e fa zala, à comprendre que c'est sous ma kawako bombati. Situation où zo salama, biso passe na ces années. Bozo yiba minere, mais vous tuez des gens. C'est ça le problème. Ceux qui n'ont qu'à guerre, kaka tozo bunda, mais bozo bomali sous ma congolais pour rien. Ils sont venus à Rubaya. Babaniko torturé ba jene bele, pour kaba kota armé. Baba niko changer ba principe na bango oyo ba enango ba installer et pas population oyo a mesa na makambo anati do peuple azo vivre on dirait un esclavagisme ba za konyokola bango oyo bango baza na posa nango ba minere mais pourquoi konyokola population pourquoi kuboma pourquoi kokanga bona makasi kokende armé donc ils sont maltraités mais entre temps bas côté bas coltan bas moi le côté kuna tokuzonga zonga simati bas bata société civile bas eko expliquer n'ayez pas sur les oléks chers téléspectateurs armé la biso vraiment est comme étant battu le mapena makasi mais toujours un deuxième point parce que guerre toki na n'ayez mokete parce que même armé la biso et ça là bas on passe ces gens ont hérité Rubaya oh il fallait couper ça bas côté. Mais force au bazaki nango, tout à la clé.
Eza, bon monaka, eza armée rwandaise. Il y a armée Ouganda. Il y a, baminduke, zo woutan Union européenne, la communauté internationale. Ou zo woutan a monosko, pato, kangaï, ba, on va peser ma conteneur, na kati zaï bilogoni. Donc, ba, pesi ba, on va armement ma kasi. Mais ce n'est pas ça que ba, ko gagne bisou. Mais wato ou ba, armement mingi, na deuxième point. Mais awa, ndenge bazo sasa ba kolta. Cela montre clairement que au Rwanda, il n'y a pas bazana ba minerete, tout wana bazo jwe pa na biso. Ezali sou likamba ko bombate. Parce que sou tali pression baza ko tiana ba jeune wana artisanal. Oh, na ba ko peso ba lare, fou ba salabwe, donc pression ko sakanate. Donc, on multiplie la production comme on va kende. Parce qu'on va éviter combien de temps on va faire. Parce qu'ils savent très bien, ils savent très bien qu'ils seront délogés. Parce qu'on va éviter que la guerre n'est kende. Fardese, yana, renfona, sadek, tutu. Mais ils ne savent pas quel jour. Et maintenant, ce qu'ils font, rapidité, quand il y a vol, quand il y a une marque, tombe na kaba kote katse kende Rwanda. Alors, tango tala scénario yo, ou comprendre comment pays na bisoto sa la perte. Perte d'abord économique, et puis perte humaine. Parce que bazako sa la pena mabi. Renfort comme ma batena ma casque au kende armé. Na route, pas kende ba entraînement na route. Alors, quand on voit tout ça, vous avez montré que vraiment le gouvernement est comme temps et n'a pas de pression à tout le monde. Tous les temps, nous savons très bien que nous allons gagner cette guerre, mais comme temps. Mais tant que temps que ça, la vie nous bien dit, tout le temps. RDE 23, c'est libre déjà l'exploitation illicite des minerais à Rubaï. Suivi. C'est confirmé, les rebelles du M23 RDF. L'armée rwandaise se livre déjà à l'exploitation des ressources naturelles dans les sites miniers de Rubaya, dans les territoires de Masisi. Selon le président de la société civile de Masisi, Voltaire Batundi, les rebelles du RDF M23 ont même distribué des bêches aux habitants afin de les encourager à creuser des minerais. Donc, il y a des gens qui ont creusé des minerais, qui ont pêché des bêches, donc, boulot et mataka, qui ont été en train de se faire. Ce qui est le cas, donc, armée rwandaise, oyo kaka, masolo kitoko, parce que, biso, bango bazo mona pena masolo kitoko, bazo sepe la, ba moni pena kito, ah, pena, ton guindi a mabi. Bon, comprendre qui, ba pêché, bango obozo mona le bêche kapo encourager bango et puis ba matisi paiement journalier nzambe nanga ye tuka batou ya donc c'est à dire il en veut donc selon bango de balimba sarabola nda très bien bandeko. Il en veut pour preuve la hausse du prix d'un kilogramme de coltan, qui est passé de $30 à $70, ainsi que le paiement journalier d'un creuseur qui est passé de 10 000 francs à 30 000 francs. Pour ce qui est des activités minières à Rubaya, il y a eu deux véhicules de marque Fuso remplis de bêches qu'on a amenés et distribués aux gens pour commencer à creuser des minerais. Mais comme vous avez dit, un kilo de coltan qui se vendait à $30, aujourd'hui est comme à $70. Tout ceci pour encourager cette exploitation de cette carrière minière. Et donc, depuis la prise de la cité de Rouba, les activités minières, Bandeko, tournent très bien. Et les gens sont motivés. Bonjour, Kande, bazon flatté Batou. Les don bazo bakuna kutu balinko don oyo bazo sala ya mabe kaka ya bato bazo kende armée mais bo bazo timola bazo pesa ba mbongo bolanda bandeko. Un journalier recevait 10 000 francs congolais par jour. Aujourd'hui il est payé à 30 000 francs pour le travail rendu quotidiennement. C'est donc
inciter les jeunes à exploiter les minerais qui sont malheureusement acheminés vers le Rwanda, regrette Voltaire Batundi. Doba minero agnose zoke nango Rwanda. Quelques jours seulement après la prise de Rubaya fin avril dernier, par les rebelles et M23, certaines vidéos montrent des jeunes s'enrôler par l'ennemi et circuler par les réseaux sociaux. À cet effet, ces vidéos montrent des jeunes en train de monter dans des camions pour suivre la formation militaire leur imposée par les RDF M23. Donc, Bandeko, armée rwandaise et panabiso, ayeba ete tozana bangomaele. Bako kokate basse pelande ba osa la fête, yaba mineri. Aruba ya recrutement de malice. C'est une manière de perdre seulement au RDF M23. Donc, kapona ko plaire bango. Menasa mitema, bazo se pelati. Pense que ce n'est pas la volonté s'exprimer par la population. C'était donc une manière pour les jeunes de voir comment échapper aux exécutions sommaires parce que plusieurs jeunes ont perdu la vie lors de la prise de Lubaya par les RDF M23. Balobi, le baye babani ko bomo habite, awa so boyi babomi okaka. Donc il faut ndimaka onyo so bakoloba. On a encore plus de 120 jeunes au Bakoufi. Ils sont morts lors des affrontements qui sont soldés par la prise de Rubaya, convient une source locale à Rubaya. De ma bomba jeune wana, l'herbe tombe et salama, pour na bango, il fallait kako boma kaka. Alors, bandeko botala la situation à Rubaya. Donc, coltan, kilo est à 30 dollars et comme 70 dollars, ou à zago 10 000 francs congolais, ba matima on a 30 000 francs congolais. Entre temps, bazo sala ba travaux forcés, bazo meme ba on a armé na makasi, voilà bandeko. Pasi na motema, to développer ma soul. Bandeko zamawa. Donc botala ce qui se passe à Rubaya. Donc ba jeune bazo vivre ba makamo ko a pasi. Soko zo tala oyoki na mawa. Alors ils sont payés. Soko tali pays madon otali ba madon matsabango. C'est-à-dire Bazaou a 10 000 francs congolais, quand Mongo a fait un journalier, et comme il a 30 000 francs congolais. Et puis, ça qui a un kilo à côté, ça qui a 30 dollars, bah, maintenant on a 70 dollars. Donc, aux hommes, on a qui, vraiment, bah, jeune, on a, et comme il m'a été, faut pas travailler, car qu'on s'accarate. Mais là, on lui fait ça la passe. Oyo, bazaou, mais ma bango, n'a, comme ma bango, n'a, bah, qu'elle est beaucoup. Bah, comment va militer? Par force. C'est volonté là-bas, on dit. Alors, bah, mon nez, bah, exécution et salama qui va se faire boma. Mon chou, on a valu photo kenika. Bon, bah, ça, la carte est minéré. Bah, on nez, bah, ça bien. Bah, on kuna. Donc, bah, zo motivé, bah, on va en colo, déjà, bah, mine, ou déjà, bah, timolak. Donc, bah, on ko sakanati. Donc, bah, mati, bah, on prie. Et motivé, bah, on ko sakanati. Mais, malheureusement, bah, lui, bah, quantité, je bima, qu'on s'agrandit, pour ma matzi salaire. Alors, si quoi, je bima, et je katse que de Rwanda. Bah, de quoi, bon, t'as là, la situation, toujours vivre. L'air, moi, qu'on peut comprendre, bah, lui, mais, mboka, toujours, kende, wapi. Mais, bah, mboka. Et ça passe, ming. Tout tellement pour l'intérêt de la nation. Mais, situation, toujours, en Warubaya, tout comprendre clairement, été, bah, tu, oyo, en tout cas, bayaki ba mineri. Ça se voit clairement. Bo comme ti na ko kit ba stratégie ba prix. Bo comme na ko matza prix a coltan pour que ka jeune atimola aya na ngwebele. Ba motiver bango, ba yel ba ona ba bêche o ba ko sada ko benda ba coltan. Donc aux situations au passé na ngenge moko don impossible. Voilà ce qui se passe. Alors, bana mboka et l'autre on to lobeza moko. Que solution est à kaka moko ya armé na biso. Tobun sabato, tobenga na bango. Situation tozo vivre à Rubaya. Ezo mona keba ebele don. Mawa. Si to ba ozo kende action militaire. Beaucoup ba otimo la ba coltan. Bango kout ba bien ba mati ba on avas. Passe ba on ba otimo la ba on ba na boulot. Ba kout ba kou meme action militaire te. Po ba anga asa besyo ba mineri.
Alors, les bakouti mouloupant, tu bazo timolo la minere, ba bino kakao. Bo bazo timolate, ba genwa la nyonso, ba ke formation militaire na Rutshuru. Alors, situation se passe bien, ti, ba genwa ke formation militaire, ba monde ba bomi ba tumusu. Alors, situation Rubaya, botanga, wana société civile, a reportango très bien. Djouata na yo, ou comprendre comment, pays, pour le moment, peuple azo vivre, situation momobulu na Nord Kivu, surtout Arubaya. Ba minere oyo, eza, soba benga scandale géologie, c'est parce que eza vraiment kousakanati. Bo comprendre ki, na moua ton ba sali, ba komiti ba matza, ba se, ba se telma ke zibili, ba pe sapena ba timula. Le kilo eza yina $30, bo comprendre plus que la moitié. Ba matin on a $70 kaka po e matin et puis salaire na bango mbomba au futa journalier ba oja le bosso 10,000 francs congolais ba armée rwandaise ba ye na M23 ba pesi bango sikoyo 30,000 francs congolais donc fois 3 oza ekozo et motivé maintenant ba côté zo bima en vrac mais ezo katsa Rwanda arrivé au Rwanda le président Kagame Azui yangwa a exporté et pas bao baso bo mabiso l'Occident. Mais message clair Occident yeba eti, chaque chose a sa fin. Biso toyo ki bango mingi, bo lande ke mission passe, bango ba yeb lo bakinin, ke zapo na traçabilité, yon to siyen ki accord en Rwanda. Non. Quantité zombi ma telme komi ebele, oyo baza yi konzoate, ba monique teto saraka bako. Mais, ils sont où ta aidez. Et elles-mêmes le savent, l'Union Européenne. Mais, ba yeba yeti. Ba okokan soubisouti. Oyo ba sali, ba ko vivre en gombalo très bien. Ces pays, to vivre ba makamu ibele. Mais, ba yeba kiti, o ba zo sala ba Congolais, zo sala biso passe nan denga mokiti. Mais, to ko telema. Mais, ba konzi, et komi tan ya ko libere Rubaya. To komi siko na poana. Bozo mona perte au pays zo sala. Bozo mona strategie ba yena ngu, bino pe bo sala yango, ta bo boto a Rubaya, bo sala yango, bo matse ba jeno ba pri. Tala ba ba matse ba pri, tala ba kolte za kobima. Mo ba bi motivation si le terrain na Rubaya ko sakanati. Me ba lui malheureusement, tous ces minéraux traversent la frontière vers le Rwanda. Et pas e wapi ya kokuta na ba impérialiste na ye, soi-disant oyo, ba zo kosa kosa batu, ba partenaire na bango, l'Union Européenne. L'Union Européenne pe na commissionnaire, so zo ke l'Etats-Unis fwe le kanan de l'Union Européenne. So mona o ba zo salabiso, mais tout cela, to yebi. Bo yebi, eza ka bion ye ba makamba ondeng eza. Mena to yebi, ezo choke bise soute, pas nous savons mena. Et là, le gouvernement, c'est la seule solution. C'est faire de sa télé, manandé, à moukiti, tout bon, sa armée, mais ba yebe te joue, tout au kanga frontier, tala. Au moins, ces pays européens, ba ko sala ba mpiaka. Ba ko koma ba mbongo, ba zwaka, ba sakana nangole, ba mboka na bango, ba ko koma na problème. Mais, yango mwe ba tika pso libre, a te bota yu monde ba minere, botala. Botala. So armée rwandaise matsi bango na prepare sa money penake somo baza ko lenga nan ba monati pete ba yoka kana sango armée rwandaise pene ba vivre ngo pena na place yango pene bi makabe to matsala ba matsi bango la po ba jeune so ba timolka tu ba zo bi manvrak ba coltan ezo bi ma donc auto comprendre ti et maintenant qu'ils ont fait allez tellement qu'ils sont bien en vrac, pas matin bango. Alors tout cela en bonzo qu'en Rwanda. Alors, quoi les acquis pour Rubaya, tout tiga on a bino, tout comment qu'en a combat violent entre FARDC na armée rwandaise. Et puis bitumba ona, ils ont se passé à Kusakana oti. Donc, boye baeti, pour le moment, ba kora Rwanda ba kuskosi biso, tu eba ki na biso de toute façon, tu linga to koma tina suka na ba. Mais impérialiste, Fatia Komina Soukana Bango a soutenu et mené comme Bitumba Pendi.
Fardese wazalendo bitumba penza. E zako sitale mena peple zako kima. Ma kele la ba detonation, ba bombardement. Donc bazo sala ba perte ako sakata la bandeko. Kagame ka poza motema makasi. Baza kukufa na ndenga sakana. Temeloto osenge zani. Bosa la rapide. Tambo ubo mambo rekipere ba territoire. Donc c'est ça. Bazo ba territoire rapide ba rekipere. Mboka ouyu ba bato ba zonga. Parce que place ba zeza pena malamuti. Mais tout temps. Chers téléspectateurs, des combats violents ouyu kaka. Yako sakana te. Entre armée rwandaise M23 et FARDC Wazalendo. Donc il y a que ça kanate boyoka ba suite. Donc oyoka ka bombardement sur bombardement, oyoka ka armée lourde. Donc tant que l'on a des détails, on a des détails qui sont à côté de la. Le combat entre les rebelles du M23 RDF et les FARDC, appuyés par les volontaires de la défense de la patrie, communément appelés Wazalendo, ont repris ce lundi 13 mai sur plusieurs axes dans le territoire de Masisi. C'est notamment Katale et Bitei, plus ou moins 13 km de Masisi, en centre chevalier du territoire. Selon le président de la société civile, les combats sont à la porte de Masisi. Nombreux habitants craignent d'être pris en étau et dirigent vers des territoires voisins. Masisi centre en débandade Oyokaka. Donc, M23 bazapena Oyokaka en débandade parce que et situation zapena Mobulu Nabango. Bazo mona makamu na bango. Parce que tozo menace bango. Donc, ba yon place au komati. Yango bozo mona ki Masisi centre pena. O karsomo. Déjà dans la mi-journée, c'est lundi, des armes lourdes et légères se sont fait entendre à 13 km de Masisi centre. Plus d'habitude, certains habitants de Masisi centre sont en débandade. Une psychose règne déjà dans la cité. Nombreux habitants commencent à fuir et prendre la direction du territoire de Walikale. Les combats sont au point de nous entourer. Voilà pourquoi les habitants ne veulent pas être encerclés par les combats. Témoigne Voltaire Batundi, président de la structure citoyenne de Masisi. Il appelle les FARDC et les patriotes Wazalendo à plus d'action afin d'éviter que Masisi centre ne tombe entre les mains de l'ennemi. Nous exhortons les Wazalendo et les FARDC qui sont encore dans la zone de pouvoir barrer la route à l'ennemi. Surtout de l'empêcher à pouvoir atteindre Masisi pour ne pas contourner, occasionner des dégâts. Parce que nous sommes au chef-lieu du territoire où sont gardés beaucoup de documents administratifs qu'ils veulent peut-être prendre. Nous demandons au gouvernement de tout faire également pour que les renforts au FARDC et au Wazalendo arrivent très vite. Donc, le renfort à Mindou qui peut être fait très rapide. Parce que Bandeko Batoyo, l'impérialiste, peut être dernier de Mindou qui. Parce que bato bako koma na force bazaku do ya ko sakanati alors que force tozana ngo eza ya komba ko meka kututi. Alors maintenant ndenge to loba awa bitumba ilelo etoki na ndenge ya mukete et puis boko yoka bila parce que eza somo. Alors bana mboka tolanda extrait oyu bon to développer mission na biso. Plusieurs villages se vident de leur population, indiquent nos sources locales. Bernardin Nyangi.
Ce lundi, des détonations d'armes lourdes et légères se font entendre dans le village Katoto près de Luke, ainsi qu'à Kabingu. Et Kuirambo, c'est à cheval entre le groupement Ufamando 1er, chefferie de Baoundé, et Nyamaboko 1er, secteur de Osobanyungu. Nos sources locales indiquent qu'il s'agit d'accrochages opposant les rebelles du 1-23 aux groupes armés locaux. Elles informent que c'est la suite de ces combats qui ont commencé ce week-end. Et conséquence, plus d'une dizaine de villages de la zone sont à présent vidés de leur population, précise le président de la jeunesse Tembo du Nord Kivu, Kibuya Kaima Donatien. La population du gouvernement Ufamando 1er se vide de leurs milliers. Les gens de Miano, Kashukano, Burora, Mukirundu et Remeka se dirigent vers Walikale et Ziralo, d'autres vers Biriko. Les enfants qui faisaient les examens préliminaires se sont aussi éparpillés. C'est pourquoi nous appelons le gouvernement de voir comment mettre fin à cette situation parce que la population est en train de subir une souffrance. Bandeko tolandi bisonyonso. Bitumba ezo kende na centre. Oyokaka. Donc, ezapena donba parce que far de se penda a fungoli makamunyonso. Ezama ka site te ko lobo voilà les stratégies o bo ezati. Far de se a ouvert le feu, ba drone en action ma solo ezobetam. E belé ba sali ba diga ba kufi kufi belé. Mais on arrête pas là ko boma bango. Tous ont besoin de récupérer le territoire. Si vous récupérez le territoire, le peuple a besoin de récupérer qui? Le territoire, le Buremana et les autres. Et ça, c'est le plaisir. Si vous récupérez le territoire, vous avez besoin de récupérer. Et surtout, vous avez besoin de récupérer. Donc, vous avez besoin de récupérer un scandale. Tellement que vous avez besoin de récupérer. Ba matina ba mbongo et tout ça. Et là, on te senga da gouvernement, ba luka ba libere Rubaya rapide, ba tia blende na masisi, ndenge to la nina extra wana. Ba zako explique très bien sur les civilité, far de sena wazelendo ba sala makasi, bare la route à l'inini. Mais to yebe te bako lekati. Mokonja loba ki déjà, biso kangaka yang. Que bango bako tika la jamais koleka masisi. Ba ye bio bazulu ba. Dante sa ba kongole place toza. To tombo la maboko biso nyoso far de se bendele kwete. Pezo vivre periode moko mabi. Bo comprendre que cette guerre na kote ya arme rwandaise. Aza ye mokoti. Pas seulement Uganda. Mais ba Sud Soudan. Ba Kenya, ba zana kati, situation est appelée ma bé, ba s'infiltrer, kaka po ba lingi ke, donc situation toi na wana S, ba on peut ba l'oubaz do ka par na ba. Andeko, mbongo ze belè, oye ba on peut ba zo bebe sa na guerre, ba zo luka pe mbongo, mais so ta les situations actuelles, au moins un complot bien organisé. Net ba kanon wana makasi wana, ba ya kubombardi wana. Nana peso ba mortier wana. C'est l'Union Européenne. Ça coûte cher, biso wana ngome. O mwana ki fardi se utiliza ngome, inte ça coûte cher. Nana zo pesa ba ngoyamu. Ba obwa kaka partout. Et comme tant de éléments. Nous devons être derrière cette armée. Tokumi sango tolongo l'esprit wana oto zangano kena lingi boyete ona lingi mokonjite tala oza lera kolbatiki ona lingi fachi na lingi fachi dete. Lera guerre n'y a pas de parti politique. Lera guerre n'y a pas donc biso tout oza ensemble toujours bunda. Yango to sa ba kongole to telema. Parce que l'ennemi est là à la porte de Masisi. Bolandi. Ennemi zo sala nyonso. Et à gagner ma si se passe Wande Nzela pour Akenegombo. Boye ba keso ma si se kweto esilia, me kotika la kukweyati. Me, et loko de to salamakasi, et sa ke ba continue renfort. Ba pesa fardese ba moyen yon so azana besoin en go comme d'habitude.
Bon, préparez ma bombardement, bombardez ces gens de vos salles amicolo, tu es le qui tout le monde va perdre, tout le monde va vidéo, tout le monde est belé, ne va la 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 nasse. Parce que quand même, tu es là. Ata va couvrir combien il y a pour suivre, qui a dit, oh, ma colte. Donc, si on a la situation, ma va trop. Les gens meurent. À cause des minéraux, à cause de cette richesse que nous avons. Mais, il y a trop de singa. Ba konti ba telema. Po na mboka uyu, ba yebi safari de se bendele kweyati, ba kende tina suka bitumba uyu. Pasi to mwana ki example mikolo ele kakawana. Farde sa atake bango, botoli ki changa atake bango. Me, apre on a lese encore le wazalendo ba yeba ju. Me, so ki pena biso to telemia, na wapè sa mokonji rezon, ki nou zalon gaye set geye. O nyoso ba osala wana tukulika yangu. Me eso senga volonté. Peye salabo moko. Batuba yo kanaba solo la. On parle de cette guerre pour menacer Kagame et son entourage. To gaye bitumba ou. Bitumba ou ti musika. So kota la peuple o ya souffre mingi. O liye to le sa mona sita déplacer me bazon a la banda kuna ba. Le plus tôt possible. Alors, ce qui est total à Makambo Nyonso, non, nous avons maintenant une armée conventionnelle. Pensez, Bazali, Bosuko, c'est comme ça, peut-être vous connaissez, peut-être vous ne connaissez pas. Pensez, armée Oyo, PPR de Batika, qui est armée Alléluti. Donc, est avancé dans Ndenga Kosakanati. Alors, tout ça qui est la loi de programmation militaire, tout ça qui est à bout. Et le vin de Komo, bon, bango. Batouana nyonso, balégina gouvernement, on a pu perdre, bah, y'en a bien d'agabala. Boutique n'a besoin d'armée, gaboui. Rwanda, zwanae. Non. Et ça sonne. Ça ne peut plus répéter dans notre pays. Alors, maintenant, de tous en a bateau, yo. Et ça question, bah, goûte dans l'Occident, malé, totikana, na bango. To avance, moka. To benga na munguna, ou à côté le bisou. Et cette guerre, comme des moukonzalouba qui t'ont gagné, yo. Mais c'est fort à Bissonios. Où ils allaient les pays étangés, tout ça, ils ont besoin de la partie politique de Timama Soulouan. Tu as besoin de l'okomoko, tu vas tellement pam, 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 tu vas te faire. Tant de bazo ça la fête dans Rubaya. Botangi. On ne peut plus accepter tout ça. Il faut te gagner mon goût, tu vas te faire. Donc, nous, tu récupères. Parfois, ça fait mal. So gozo talo lobi, ah, mboko to zali. Li kolo kakabo mengo na biso. Bako mo menase biso na ndenge mo wako sakanati. Paske so no otala ba minduke na makasi makasi Rwanda, ba na Uganda. Baso pesa mo na ba Union Europee. Me ile bako kota sakiti. Pasalo ba lingi. Il y a un peuple à rappeler au gouvernement, bo keba, ba dossier très important, ça dit à ma sisi, ba keba batou yo, ba zoya ngoti. Parce que pays, en tout cas, dans le niveau, eza pendant, ezo bang sa, et pas à peuple, mais biso à tout yibi, to bang le goti. Nous allons gagner cette guerre, y'a un tout yibi sa population, bo zala l'aise. Bamangungu tu ba osala. Ba na place au legate mais loko esala so passi. Parce que ça prend du temps. Entre temps, population o yakima ki bitumba zo souffrir. A lokaza anda kunaye, azala bilanga naye, mais comment aller faire tout ça? Alors, ce qui nous dérange comme état ba conduire ba décision moko sévère. Pour na kolika li kolona nyoso oyo peto ga bitumba oyo. Alors, chers téléspectateurs, tu as l'émission. Tu as eu un nini. Faire des salles phobies, c'est tout tombe la mingongo. Faire des bendele koyate. Et nous allons gagner cette guerre. Alors, banamboka, tu comme la fin mission. Vous continuez à s'abonner massivement. Vous partagez. Au revoir. À la prochaine.